Salut, salut à tous. Heureux de vous revoir de nouveau sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur l'apprentissage et la conception au niveau du module MEP d'Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons attaquer la troisième partie où nous allons réaliser et appliquer les interrupteurs, les luminaires et créer un système entre ces deux éléments. Donc, pour les nouveaux, pensez à vous. Pour les nouveaux, vous pouvez retrouver cette vidéo sur la page Génie Civil 237, le début de cette vidéo, le MEP électrique, où on a appris à paramétrer le logiciel pour l'électricité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter cette vidéo. Ok, comme on a dit précédemment, nous avons la deuxième partie, nous avons paramétré notre logiciel, nous avons positionné nos prises au niveau de notre séjour, de notre cuisine et dans différentes chambres. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, nous allons positionner d'abord nos luminaires, ensuite nos interrupteurs. Donc, pour positionner déjà nos luminaires, c'est très simple. Donc, vous venez toujours dans le système. Dans le système, il y a le bloc électricité, il y a la partie électricité, électrique, vous prenez électrique, et puis on va choisir luminaire. Donc, lorsque vous prenez luminaire, si votre élément n'est pas chargé, un message va s'afficher pour dire que votre page ne contient pas encore d'éléments. Donc, par rapport au mien qui contient déjà, par exemple, des luminaires modulaires à castrer. Donc, vous avez la possibilité de charger, donc d'ouvrir dans votre bibliothèque et de sélectionner, d'ouvrir MEP électrique, bien sûr, d'entrer dans MEP électrique dans votre bibliothèque, de prendre éclairage interne. Et puis, vous avez la possibilité de choisir différents modèles. Donc, cette fois-ci, nous allons d'abord prendre luminaire modulaire. Donc, on va prendre... On va choisir, parce qu'il y a différents types de luminaires modulaires. Donc, on va prendre luminaire modulaire encastré 4 lampes. Donc, on n'en a pas 3 lampes, 2 lampes. Bon, ok, je vais prendre. On va prendre luminaire modulaire encastré 2 lampes. Ok. On va mettre ouvrir. Donc, lorsque l'élément va charger, donc l'élément va charger dans notre projet. Ensuite, ce qu'on va faire, il va falloir créer les plafonds puisqu'on va positionner nos luminaires modulaires encastrés au niveau du plafond. Donc, comme vous le savez, les luminaires et tous les éléments électriques que nous positionnons au fur et à mesure ont les caractéristiques. Ce qui veut dire que soit la tension, soit le voltage. Donc, quand vous ouvrez propriété du type, par exemple, vous avez la possibilité de voir les indices de charge, donc la tension, la charge apparente que de notre luminaire, ainsi de suite. Donc ici, vous avez des caractéristiques plus concrètes d'intensité initiale, et puis vous avez tous ces paramètres là que vous pouvez modifier, vous pouvez visualiser. Donc, matériaux qui sont luminaires, vous pouvez modifier le matériau en fonction du rendu que vous allez effectuer tout à l'heure. Donc, ok. Maintenant, je ne vais pas utiliser le luminaire modulaire tout de suite. Donc, je vais mettre échappe. D'abord, je vais me positionner, je vais venir dans mon arborescence. Je vais me positionner au niveau du plafond. Donc, j'ai plan de plafond. Je vais prendre le niveau 1 par rapport à mon plan d'étage. Donc, je vais d'abord positionner mes plafonds. Donc, pour créer les plafonds dans l'architecture, vous avez plafond. Ici, on a la possibilité de créer les plafonds par esquisse. Donc, on peut la possibilité de dessiner nos plafonds et on a la possibilité de créer nos plafonds de façon automatique. Donc, vous voyez, c'est sélectionné juste là. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité de créer nos plafonds de façon automatique. Donc, c'est comme ça qu'on va les créer. Donc, et puis vous avez la propriété des façons de la possibilité de modifier les éléments du plafond, tels que la structure. Quand vous cliquez sur modifier au niveau de la structure, vous avez
vous avez le matériau que vous allez appliquer au niveau du plafond. Donc, parce que je vois porteur, élément porteur toujours par défaut, mais ce qu'on va modifier, c'est la finition. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir au niveau du rendu, au niveau de la finition, au niveau de notre plafond. Donc, quand vous modifiez ça, vous avez le bois, et de suite, à vous de choisir, vous avez la possibilité de choisir ce que vous pouvez avoir comme rendu au niveau du matériau, au niveau du plafond. Donc, lorsque la liste des matériaux s'affiche, donc vous avez la possibilité de sélectionner, vous avez l'embarras du choix, vous avez tellement de modèles que vous pouvez choisir. Donc là, je vois plancher en chêne, donc je ne peux pas prendre ça, c'est pour le plancher. Donc on a tellement d'éléments qu'on peut choisir pour positionner au niveau du plafond. Donc quand je regarde, je peux sélectionner ceci et puis je mets dupliquer. J'ai écrit plafond, plafond, et puis je vais venir juste ici. Je vais aller dans le navigateur de ressources pour avoir une liste de matériaux un peu plus grande. Donc, maintenant, je vais essayer de sélectionner quelque chose. Donc, disons qu'on va prendre quelque chose en bois. Donc, on est au niveau ici des éléments en bois. On a différentes annotations pour le bois, mais bon, je vais essayer de prendre quelque chose de quand même beau, donc de quand même beau à voir pour qu'on ait un rendu ensuite quand même de qualité, meilleure qualité visuelle. Donc, je pense que je vais prendre ça. Je prends ce motif-ci. Donc, après insérer le motif juste ici, je vais valider OK. C'est vrai que tout à l'heure on avait des panneaux de plafond de dimensions précises, mais j'ai changé. Donc, je vais prendre ceci, ce motif-ci. Je valide OK. Je valide OK. Maintenant, vous voyez que on a ajusté les bordures. Là, on a juste à cliquer pour placer le plafond. Donc on a juste à cliquer. Pour positionner le plafond. Donc on va positionner le plafond un peu de partout dans nos pièces. OK. Ensuite, on clique sur échappe. Donc lorsqu'on finit de positionner nos plafonds dans différentes pièces, donc, on voit que visiblement, on n'a pas l'apparence de nos plafonds, donc c'est parce que je n'ai pas modifié. On va juste modifier. Ok, après avoir fini de placer nos différents plafonds, c'est vrai qu'on n'a pas l'aspect visuel permettant de dire si nos plafonds étaient placés ou pas, mais lorsque je positionne mon curseur juste sur les côtés, je vois qu'il se met en surbrillance et on met plafond composé KDH 600 par 1200. Donc, notre plafond est bien présent. Donc, si je veux juste quelque chose qui permettra de vérifier si mon plafond est présent ou pas, je peux cliquer sur mon plafond. Vous voyez? Et puis, je vais aller dans modifier le type. Et puis, je vais aller modifier le matériau. Je vais définir l'apparence qu'on peut. Le motif de surface, donc vous voyez bien, vous prenez ici motif de surface, vous prenez motif de surface premier plan et en arrière-plan, et puis vous validez. Ok, donc vous avez la possibilité de voir l'élément qui apparaît juste là, donc le motif qui représente notre plafond. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans architecture, on va aller dans système. On va bien sûr prendre le nom luminaire qu'on a cherché tout à l'heure. Donc, on va prendre placer par face. On va positionner au niveau de notre séjour. On va positionner deux luminaires comme ceci. Et puis ensuite, on va charger la famille. On va positionner ensuite deux spots de lumière. Donc, on va prendre spotlet carré, spotlet encastré circulaire. On va prendre ça. On va prendre OK. Et puis tout autour, on va positionner nos spots. Donc, on va les positionner, je pense, là. On va positionner nos spots un peu tout autour, là. Donc,
pour avoir un meilleur effet. Oui. Ok. Maintenant, après avoir positionné nos spots, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant un peu visualiser comment ça se présente au niveau de notre pièce. Donc, on va aller dans Vue et on va créer une caméra intérieure. Donc, je clique sur Caméra et puis je positionne par exemple ma caméra juste ici. Je clique, un clic gauche et puis je fais que j'aurai la possibilité de voir toutes mes pièces, toute ma pièce en fait. Donc quand je clique, et puis il va me créer, vous voyez juste là, il m'a créé une vue de ma pièce. Donc maintenant ici j'ai la possibilité de remettre détail élevé. Donc maintenant ce que je vais faire, donc ce que je fais, je vais changer, je vais passer en mode réaliste pour voir visualiser mes différents éléments donc que je viens de positionner. Donc vous voyez bien que vous voyez bien que là c'est vrai que on n'a pas une très belle vue déjà de là. Donc, orbite. D'accord, on va pouvoir se déplacer comme ceci. Donc, ok. On voit qu'on va passer nos différents spots qu'on a positionnés. Voici notre plafond qui se trouve à 2,60. Je pense que le niveau c'est 2,80. Donc, notre plafond se positionne donc à 2,60. Donc, on a notre spot luminaire. On a notre luminaire modulaire et en plus on a nos différents spots. Ok. On a notre prise positionnée juste ici qu'on a positionnée tout à l'heure. Donc maintenant, si je reviens au niveau 1, donc maintenant je vais revenir au niveau 1. Donc je quitte le niveau de plafond, je reviens au niveau 1. Bon, maintenant, ce que l'on va faire, on va positionner notre interrupteur au niveau du salon. Donc l'opération qu'on va faire, on va d'abord finir de positionner bien sûr les luminaires au niveau des chambres. Donc on va aller dans système. Donc on va prendre luminaire, pas maintenant. Donc on va prendre luminaire et ensuite on va charger. Cette fois-ci on va charger plutôt, on va prendre des plafonniers. Ok, on va prendre des plafonniers, des types apparents. Ok, on va ouvrir et puis on va positionner des plafonniers de type apparent dans notre chambre, dans notre cuisine. Donc, je positionne toujours surface. Donc, là, on a notre cuisine, on va positionner un élément. Et puis, pareil, dans la chambre, dans la deuxième chambre. Ensuite, dans la troisième chambre. Ensuite, on va charger quelque chose de différent pour les douches. Donc, pour les douches, pour les douches, je pense, éclairage direct. Applique murale sphère, applique murale plateforme. Donc on va prendre ça, murale plateforme. Donc on va appliquer pour ça aussi. On va les appliquer juste au niveau de nos murs, au niveau des toilettes. D'accord. Donc pour ça aussi, on va prendre placé par face verticale, bien sûr. Élévation 90, je pense, élévation 2, même 2,4. Ok, on va les positionner. Je prends la douche, je positionne là et je positionne là. Donc pour les douches, là on s'occupe juste du premier appartement. Donc vous avez la possibilité de faire à l'identique au niveau du deuxième appartement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va positionner notre prise.
Donc maintenant, pour positionner nos interrupteurs, donc d'abord il faudrait que les luminaires qu'on a placées au niveau du plafond soient visibles juste ici. Je vois que ce n'est pas visible parce que la plage de vue de notre niveau ici n'est pas bien réglée. Donc vous venez juste ici, quand rien n'est cliqué, vous descendez dans plage de vue, modifiez la plage de vue. Donc niveau haut associé, on va prendre, puisqu'on a positionné nos luminaires à 2 mètres 6, on va prendre 2 mètres 6. On va valider. Donc, je fais que OK. Après ça, vous avez la possibilité de visualiser. On a nos spots, on a nos luminaires qu'on a la possibilité de visualiser, de cliquer dessus. OK. Maintenant, on va aller dans système. On va prendre électrique. On va prendre appareil. On va prendre éclairage. Ok, ma famille dispose pas encore d'un écran chargé, donc on va mettre 8 pour charger. Ok, toujours dans le même électrique où j'étais, on va prendre au renfort, on va prendre appareillage, on va prendre interrupteur étanche, on va prendre interrupteur simple. Ok. On met ouvrir, donc on va maintenant positionner notre interrupteur au niveau du séjour. Donc après avoir, on va travailler d'abord. Ok, qu'est-ce qui se passe? Interrupteur étanche. Il y a un problème, interrupteur. Ok, maintenant on va aller dans système. On va prendre électrique. On va prendre appareil, on va prendre éclairage. Maintenant, on va charger. Donc, si j'ai la possibilité de charger mes luminaires, mais bon, j'ai déjà mon interrupteur étanche. Donc, vous allez aller dans Map électrique et puis vous allez sélectionner interrupteur étanche standard. Ok. Maintenant, j'ai la possibilité de positionner mon interrupteur. Donc, je vais positionner mon interrupteur au niveau de l'entrée du séjour. Au niveau de l'entrée du séjour, juste là, j'ai l'entrée du séjour ici. Ok. Donc, quand je positionne mon luminaire, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer, on va d'abord relier nos luminaires à notre panneau d'alimentation. Donc, je vais d'abord sélectionner le premier. Donc, ici, on a la possibilité de créer le système. Donc, créer le système veut dire on a la possibilité de créer la puissance reliée au panneau et ensuite interrupteur relié à l'interrupteur. Donc, pour un premier, on va créer d'abord la puissance. Donc, on clique sur puissance. Donc, en cliquant sur puissance, lorsque je déroule ici, j'ai la possibilité de sélectionner mon panneau de façon manuelle. Donc, je clique sélectionner mon panneau, je clique sur mon panneau et juste ici au niveau du mur, le panneau qu'on a créé. Et puis j'ai la possibilité de sélectionner mon panneau de façon automatique. Donc, pas automatique, mais je déroule là et puis je sélectionne mon panneau A1 pour appartement 1 qu'on a créé tout au début. Donc vous voyez que directement, il se lie directement au panneau. Donc quand il se lie au panneau, on va ajouter les autres luminaires. Donc on sélectionne et puis on va mettre sélectionner le panneau. On va faire modifier le circuit. Donc on va modifier le circuit pour incorporer à ce circuit différents d'autres luminaires. Donc vous voyez que le luminaire qui est déjà connecté au circuit est en surbrillance. Donc on va prendre sélectionner le panneau. Donc on va mettre ajouter le circuit qui est déjà sélectionné. Donc ce qu'on a juste à faire, c'est de cliquer sur nos autres luminaires. Vous voyez que lorsque je clique, il passe directement en surbrillance. Donc le reste des luminaires en fait seront directement associés au circuit. Donc on va sélectionner un à un et puis on sélectionne le dernier et puis on valide. Ok, lorsque je vais cliquer par exemple sur un élément, vous verrez que lorsque je me rapproche, je clique pas, je me rapproche et j'appuie sur tabulation. Vous voyez que tous mes éléments appartiennent à un système et qui sont reliés directement à mon panneau de distribution. Ok, lorsque on va attaquer la deuxième étape, on va maintenant relier nos différents luminaires
au niveau de notre interrupteur. Donc, on clique sur un luminaire. Donc, lorsqu'on a cliqué, on va partir maintenant ici. On va gérer maintenant la partie interrupteur. Donc, quand je clique sur interrupteur, il relie mon élément. Maintenant, on va modifier le système d'interrupteur. Est-ce qu'on va connecter les autres éléments à notre interrupteur? Donc, ce sera un interrupteur capable d'allumer les luminaires et les spots. Donc, ajouter, sélectionner. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, je vais juste cliquer sur nos différents luminaires qu'on a, comme cela. Et puis, ils se mettent tous en surbrillance. OK. Ensuite, sélectionner un interrupteur. Je pense que l'interrupteur. Je vais sélectionner l'interrupteur. Interrupteur étanche standard. OK. Qui est juste là. OK. L'interrupteur est sélectionné. Et puis, je finis l'opération. Donc, lorsque je me positionne et je mets tabulation, je vois que mon système est ainsi créé. Donc, maintenant, ce que je fais, quand je me positionne maintenant sur mon interrupteur et puis sans cliquer, j'appuie sur tabulation, vous voyez bien que tous mes spots de lumière sont connectés à mon interrupteur. Donc, à partir de cet interrupteur, on a la possibilité d'activer et d'allumer nos différents luminaires. Donc, maintenant, si je clique dessus, j'ai la possibilité de visualiser. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur tabulation, je vais cliquer et puis je vais sélectionner mon système. Bien sûr, je vais mettre un arc pour pouvoir visualiser le système et l'échange entre les différents luminaires qui sont reliés, bien sûr, à mon panneau. OK. Après avoir fait ceci, maintenant, étant donné que tous nos luminaires, par exemple au salon, sont connectés à notre interrupteur, qui sont tous reliés aussi à notre panneau. Donc, en fin de compte, ensuite, on va pouvoir ressortir nos données de calcul, la liste des différents équipements qui sont connectés au niveau du salon. Donc là, c'était juste un exemple. Vous avez maintenant la possibilité de faire la même opération au niveau de la cuisine, au niveau en positionnant l'interrupteur, au niveau de la chambre, ainsi de suite au niveau des toilettes. Donc maintenant, on va créer ce qu'on appelle, on va créer une vue, on se positionne dans vue, on va créer une caméra, on va pouvoir visualiser l'intérieur et le positionnement de nos éléments. Donc là, on a notre interrupteur, on a nos spots, on a notre luminaire. Donc si je passe modèle élevé, détail élevé, et puis je passe en modèle réaliste. OK, ça c'est OK, juste à l'extérieur. Donc maintenant, je clique juste ici, on va créer un rendu avec un rendu intérieur luminaire artificiel uniquement, où on peut créer soleil luminaire. OK, un modèle qualité moyenne, on va faire un mini rendu pour voir comment l'intérieur de notre salon, de notre séjour qu'on vient de positionner, l'interrupteur et les différents luminaires, comment ça se présente. OK, lorsque c'est terminé, vous avez un très beau rendu qui représente l'intérieur avec nos luminaires. Vous voyez que voici le faisceau de nos spots de lumière. On voit que les luminaires ne sont pas représentés, mais on verra dans les prochaines vidéos comment modifier les faisceaux, comment modifier l'éclairage, l'intensité de l'éclairage pour avoir une pièce très bien éclairée. On verra ça dans les prochaines vidéos. Donc, vous voyez bien que vous avez nos luminaires, vous voyez l'intérieur, un beau rendu extérieur, vous avez l'interrupteur, vous avez les prises. C'est vrai qu'on n'a pas une très bonne représentation de nos prises, de nos interrupteurs, mais dans Revit, vous avez la possibilité de dessiner vos prises aux interrupteurs et puis d'incorporer les caractéristiques que vous voulez. Donc, sur ce, on va fermer et puis, hein, donc, sur ce, on va revenir en plan, bien sûr. Donc, sur ce, on a terminé avec les luminaires, les interrupteurs et les prises, les panneaux de distribution. La prochaine fois,
On verra comment paramétrer tous ces éléments, comment modifier l'éclairage et comment avoir les différentes notes de calcul au niveau des différentes pièces, donc composants et charges. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi sur cette page Génie-Civil 237. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, de liker ou de laisser un commentaire sur vos incompréhensions. Sur ce, je vous dis à bientôt. Peace.